Salut Jean, bienvenue dans la formation de Webjet, Klaus, le groupe de chant Tabs to You. Aujourd'hui, on va vous montrer quel est le meilleur plugin pour référencer votre site internet. Donc vous avez Yoast, vous avez RankMath. Nous, on va choisir RankMath. C'est le meilleur et le plus moins cher que Yoast. D'accord? Et il est plus simple à utiliser. Donc on va ajouter RankMath, mais en version payante et plus intéressante. Donc je pense on va le faire ensemble en version pro. J'ai la version pro RankMath. Voilà. Donc ça met un peu de temps. Voilà, et là vous vous connectez avec votre compte Google, bien sûr. Donc on va passer cette étape parce que le site internet est en ligne. On va retour. Voilà. Donc on peut vraiment tout faire. Des surveillances, la CF. Ok. Il y a tout ça en version pro. Même l'IA. Intégré. Et en même temps, à propos que Yoast, RankMath peut indexer automatiquement à votre place. Donc le plan du site d'actualité, les podcasts, si vous faites du podcast, bien sûr. Voilà, le CEO. Et intégrer vos commerces. Ensuite, vous allez dans réglage généraux. Voilà. Faut ajouter. Donc, l'outil Webmaster, vous avez le choix. Soit les indications données par le moteur de recherche, soit de le mettre ici. Donc on a à peu près beaucoup, d'accord. Ça, il faut rien toucher. Voilà, l'IA. Pareil, là aussi, il faut rien toucher. Et pour prendre votre plan du site en version XLM, il faut aller dans réglage du plan du site. C'est là où vous trouvez votre sitemap XLM pour indexer sur Google, sur Yandex, sur Badoo, etc., etc. Et si vous voulez afficher sur une page basique, vous prenez ce code, vous copiez-collez sur la page en question. D'accord ? C'est bon pour tout le monde. Ah oui, j'ai oublié un truc. Vous avez la possibilité, soit dans ma page, soit article également disponible. Donc on va prendre une page au hasard. Voilà. Et là, on va ajouter les mots-clés. Donc les mots-clés, c'est ça. D'accord, et là vous pouvez mettre n'importe quoi, on peut mettre plusieurs également. Ok,
Et pour valider, j'enregistre. Voilà, il y a tous les mots-clés et on fait enregistrer. Et ici, l'ENA, il va te donner la réputation des mots-clés. Si c'est rouge, la réputation est mauvaise. Si c'est jaune, vous êtes dans la moyenne. Si c'est vert, c'est parfait. Ok? Et pour changer les mots-clés du titre ou description, voilà, vous cliquez option d'écran et vous pouvez les auteurs, la date, voilà, et appliquer. Et là, il vous donne le titre et la description. Donc ça, c'est automatique. Ok? Ça va prendre le titre, ça va s'afficher ici. La description, pareil. Ça va prendre le texte de votre page et ça va le mettre ici automatiquement. Par contre, pour les mots-clés, il faut le faire à la main.